nom du Seigneur soit glorifié. Bonsoir encore, bon après-midi. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre 1 Timothée au chapitre 4, le verset 12. Prêtez vraiment l'oreille, soyez attentifs à ce qui sera dit. C'est pour notre bien, ça va vraiment nous aider à aller beaucoup plus loin avec Dieu. 1 Timothée 4, le verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Notez ça, soulignez-le, retenez-le. Le conseil d'un père, l'apôtre Paul, à son fils Timothée, qui était jeune, et que Paul a eu à entraîner, à former, à équiper, à bâtir, mais aussi à lâcher pour être un des responsables d'une des plus grandes églises de l'époque, parce que quand vous lisez l'histoire, il a été établi dans pratiquement plusieurs églises, notamment les églises des Éphésiens et autres, les églises qui dépendaient de cette église d'Éphèse. Et Paul a fait confiance à Timothée, qui était jeune, et certains commentateurs même disent qu'il n'était pas encore marié. Donc, ici, on lui parlait parce que Timothée vivait dans un contexte où il a subi beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation, il a été même rabaissé par ceux de sa génération, mais plus encore par les membres de l'église auxquels il rendait service. Et Paul a appris cela, écrit maintenant l'épître, n'est-ce pas, de Paul à Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, qui sont comptés comme des lettres pastorales, pour qui étaient adressées en principe à Timothée, mais du reste à tous les serviteurs de Dieu. Et Dieu voulait montrer ici à Timothée, par Paul bien évidemment, que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire des grandes choses avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas assumer des grandes responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas nous faire confiance ou nous confier des grandes responsabilités. Au contraire. Mais en même temps, quand vous lisez ce texte, Paul parle du mépris, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, il mène un équilibre, et de l'autre côté, il dit, mais sois un modèle. Donc, à un moment donné, Timothée n'a plus été un modèle. Parce que la suite le dit, il explique. Si vous lisez par exemple dans 1 Timothée 5, regardez ce que Paul dit à Timothée, prenez-le avec moi, Timothée 5, verset 1er. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, des femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc, il y a eu un moment où Timothée, il n'a pas su concilier les choses, et de par sa position que dans l'église que Paul lui avait donnée, il a commencé à mal parler aux gens, mal parler aux vieillards, mal parler à ceux de son âge, mal parler aux enfants. Et Paul maintenant, ici, il essaie de rétablir en fait l'ordre pour que Timothée fasse les choses conformément à la pensée de Dieu. Ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, qu'il se rende également compte qu'il a eu à avoir des écarts qui ont emmené certains problèmes qui ont poussé Paul à écrire. Parce que toutes les épîtres de Paul, il les a écrites suite à des problèmes qui ont surgi dans ces églises. Ça, c'est dans le contexte historique. D'accord ? Donc, suite à des problèmes, il a appris. On lui a relaté des choses qui se passaient
Et il a pris son temps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le moyen de communication comme aujourd'hui, et il a écrit, et il disait des choses dans le but d'édifier, sans même savoir que ses écrits allaient rester comme une base théologique dans le canon biblique que nous allons aujourd'hui, qu'on devait aujourd'hui utiliser comme étant parole. Ces paroles devaient faire foi en termes d'autorité en matière de foi. Est-ce que vous me suivez? Que personne ne méprise ta jeunesse, c'est une chose. Mais de l'autre côté, tu as la responsabilité d'être un modèle. Chaque jeune ici est appelé à être un modèle. Un modèle dans quatre dimensions. Notez, je vais revenir là-dessus, je suis en train d'introduire. Il dit, tu dois être un modèle, premièrement, en quoi? Ok, ça veut dire que vous n'avez pas vos bijoux devant vous. Ok, j'attends que vous trouviez dans vos bijoux et que vous puissiez lire. Ok. Un modèle en quoi? En parole, c'est-à-dire en langage. Comment tu t'exprimes? Comment tu parles? Comment tu mènes tes conversations? Ok? Deuxièmement, il dit un modèle en quoi? En conduite, c'est-à-dire en comportement. Comment tu te comportes? Quel est ton comportement? Parce que vous allez comprendre, évidemment avec le temps, ce que je veux dire, que très souvent, la jeunesse, à cause de la fougue, il y a des écarts dans le comportement. Il y a des écarts dans le langage. Il y a même des écarts au point où on ne sait plus qui est qui. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on a le droit de parler n'importe comment à n'importe qui. Je vous donne une base que vous allez lire, bien lire ça, parce que ça va aider tout le monde et ça va ramener l'ordre. Parce que le diable, justement, aime quand les choses sont cafouées, confuses, pour essayer justement de ne pas aider les personnes à avancer. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, tu ne veux pas qu'on te méprise. Est-ce que tu es un modèle? La chose qui fera qu'on ne me méprise pas, c'est si je suis un modèle. Amen. Troisièmement, il est un modèle en quoi? En amour. Donc, nous devons aimer. Montrer que l'amour de Christ remplit nos cœurs. Et qui se traduit dans nos relations en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et un modèle en quoi? En foi. Tu dois montrer ta foi. La confiance en Dieu. Un autre modèle en quoi? En pureté, c'est-à-dire dans ta sanctification, la manière dont tu te sanctifies au quotidien. Ça, c'est le premier verset que je voulais nous donner. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Allons-y dans 1 Jean. Notez bien les références, hein, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2. Si le temps vous permet, je laisserai quelques temps, enfin un petit moment pour les questions. Je ne peux pas non plus abuser de notre temps, d'accord? 1 Jean chapitre 2, verset 12 au verset 14. Regardez ce que l'apôtre Jean ici écrit. C'était un apôtre, c'était un père. Et aujourd'hui, je veux parler en tant que père. Père dans la maison, père dans la foi, père dans le ministère, pour essayer de mettre chaque chose à sa place et nous aider ensemble dans l'élan et dans le dynamisme que le Seigneur a déclenché que nous puissions atteindre le but et les objectifs de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean dit ici, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je peux m'arrêter là. L'apôtre Jean ici parle de 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, il s'adresse aux enfants. Notez bien le mot enfant et on va le voir. Et la deuxième catégorie que l'apôtre Paul souligne, il parle des pères. Et la troisième catégorie, il parle des jeunes gens.
Donc, père, jeunes gens, petits enfants. Petits enfants, jeunes gens, père. On ne devient pas père en un jour. Non. Quelle que soit la grâce, quel que soit ce que Dieu peut te donner, il faut du temps parce que Dieu va faire un travail en toi pour tellement te casser, te briser, t'humilier, pour voir ce qu'il y a au fond de toi et te donner la carrure et la stature d'un père. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre avec toi? Donc je ne veux pas toucher l'aspect de père parce que ici il n'y a pas de père. Il y a un seul père, c'est moi. Ouais. Dis amen. Pourquoi tu dis pas amen? Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu dis pas amen. On ne s'improvise pas. There's only one father in the house. Il y a des anglophones ici. Hein. Yes, sir. Vous voulez m'intimider sans effet au nom de Jésus. Par contre, nous retrouvons au milieu de deux catégories dans l'Église, de manière générale et de manière factuelle. Nous avons la catégorie des enfants et la catégorie des jeunes gens. Maintenant, sachez une chose. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le jour où tu acceptes Jésus dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, tu reçois automatiquement le statut d'enfant. D'accord? Je vais vous aider avec un verset pour ceux qui veulent les versets. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qu'ils ont reçue, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, c'est le statut de toute personne, qui que tu sois, avec tes défauts, tout ce que tu veux. Mais le jour où tu donnes ton cœur à Jésus, ta vie à Jésus, ce jour-là, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es passé du stade de l'homme animal à enfant de Dieu. Parce que toute personne qui n'a pas Jésus, selon la Bible, c'est pas moi, est appelé un homme animal. Donc les gens que vous voyez, les païens, bon, ça peut être humilié, mais c'est des animaux. Si je dois suivre les termes de Paul, 1 Corinthiens 2, 14, lisez-le, vous allez voir que ce que je dis n'est pas faux. Il y a des hommes animaux ou des hommes naturels. Et ces personnes ne comprennent pas les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont une folie. Mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il y a une régénération dans l'esprit. Et Dieu te donne la capacité maintenant. Tu vois que tu acceptes Jésus même aujourd'hui. C'est comme si Dieu t'ouvre l'esprit pour commencer à comprendre même les choses compliquées de la parole. Parce que ça ne vient pas de ton intelligence ni de ton intellect. Mais ça vient du fait que tu as changé de nature et tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, ma première question est celle-ci. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Non. Si tu es enfant de Dieu, lève ta main. Moi, je le suis. Ok. Lève ta main. Non, lève bien comme ça. Je vais voir. Ok, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ah, vraiment, c'est pour voir remplir le ciel. Merci Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque on vient à Jésus, notre esprit est régénéré, c'est-à-dire transformé. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Je ne vais pas convoquer une réunion comme ça en vain. Non. Ceux qui me connaissent, j'aime écouter Dieu. Quand Dieu me dit, fais quelque chose, je le fais. J'ai trop de choses à faire. Tout à l'heure, je dois aller voter aussi. Ah ben oui. Ou bien. Non, je ne te dis pas. Secret. Amen. Donc on est trop occupé, je suis trop busy. Mais si on prend le temps, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose et le diable est rusé. Et vous savez, la grâce que Dieu m'a faite, c'est que je sais lire au travers des événements. Je sais lire. Je disais, mon bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Le diable a voulu amener quelque chose. Tu te rappelles? Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable a voulu amener quelque chose.
Et Dieu m'a inspiré trois jours de jeûne. Et là, ils n'ont pas compris pourquoi j'ai mis ça. C'est pour ça que quand on fait des appels ou quand on dit tel programme, à moins que vous ne le pouviez pas, parce qu'il y a des personnes vraiment ne peuvent pas à cause du travail, des études, c'est vraiment compliqué. Mais quand vous le faites, quand vous pouvez, courez. Parce que la vie de l'église, c'est pas tout qu'on déballe sur la terre. Trop de choses. Il y a des mystères. Merci Seigneur. Parce que quand tu es en alliance avec lui, il te montre des choses. Il te dit voici. Et c'est un plan bien ficelé dans le monde des ténèbres, bien évidemment. L'ennemi passe par des faibles pour pouvoir atteindre un but. Mais il a échoué. Amen. Donc, lorsque tu donnes quelqu'un dans sa vie à Jésus, cette personne est régénérée dans son esprit. C'est-à-dire, elle est enfant de Dieu. Il a un esprit nouveau. Il est né doué d'esprit. Mais ça, ça se passe au niveau de l'esprit. Il est recréé. L'image de Dieu en lui est recréée. Par contre, il reste deux dimensions parce que l'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme a un corps. Maintenant, la partie de l'âme et du corps, c'est la partie qui sont beaucoup plus le corps qui est en contact avec le monde physique. Mais l'âme, c'est le ciel des émotions. C'est notre âme qui a été beaucoup endommagée. Voilà pourquoi l'âme prend du temps pour être transformée. Et l'âme jointe au corps, la Bible appelle cela la chair. La chair maintenant, c'est ça qui veut, qui cherche à pousser les gens ou à conduire les gens à marcher selon leurs sens, c'est-à-dire les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la chair. Et chacun de nous a une chair. Voilà, en parlant de l'œuvre de la croix, j'insiste aussi sur le fait que non seulement Jésus est mort, mais il veut aussi crucifier notre chair parce que c'est là où ça amène beaucoup des problèmes qu'on rencontre dans la société, pire encore dans l'Église. Ce sont des sauvés. Mais il y en a qui laissent Dieu travailler leur âme pour se perfectionner, devenir comme Christ, et d'autres refusent. Et c'est là où je vais vous montrer quel a été le chemin de Timothée au travers de l'enseignement, du mandat de Paul pour sortir le jeune Timothée qui était disciple, enfant, à une dimension de jeune gens capable d'assumer des responsabilités. Et j'ouvre une parenthèse. Je suis quelqu'un, je fais confiance aux jeunes. La preuve, vous êtes là. Beaucoup servent, beaucoup font des choses, beaucoup prêchent. Je connais beaucoup d'églises où on ne te laissera jamais la chair. Que ce soit ici en Paris et partout dans le monde. Mais pourquoi on le fait? Il y a une confiance. Attention, ne prenez pas une confiance comme un acquis. Ne prenez pas des grâces, des faveurs parce qu'on a détecté quelque chose qu'on a acquis. Parce que je reste le père capable de discipliner aussi. Et un de mes rôles, je discipline. Je fouette quand il le faut. Je dis bien quand il le faut. Donc, Timothée, regardez comment est-ce que Paul l'a rencontré. Allons dans Actes. Je nous montre ça pour que vous ayez pu une idée. Et puis je vais chuter. Actes chapitre 16. Nous prenons partie du verset premier. La Bible dit ceci. Il, en parlant de Paul, s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Timothée était déjà un disciple. Il avait déjà donné sa vie à Jésus. Mais il était encore un enfant. Parce que Paul va le prendre en charge. Et la Bible dit, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et Paul voulut l'emmener avec lui, l'ayant pris le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tu savais que son père était grec. Et regardez 2 Timothée 2, là dans ce texte, Paul l'a pris. Et là, il l'a pris en charge. Il l'a pris entre ses mains et dit, bon, toi, je vois qu'il y a une grâce de Dieu sur toi, je veux te former, je veux t'équiper. Et c'est ça le rôle des ministères, c'est ça mon rôle à moi, de prendre les personnes telles qu'elles sont, quel que soit là où ils viennent. Quels que soient les dégâts que les personnes ont commis dans le passé, on le prend et on va les transformer à l'image de Christ par la parole et par l'esprit. Voici les deux ingrédients qui amènent la transformation. La parole de Dieu et le Saint-Esprit mis ensemble, il y a une transformation dans la vie de quelqu'un. Parce qu'aucun homme n'a la capacité de changer l'autre. Yes.
et je le suis. Je suis très conscient, vous n'êtes pas ici parce qu'on est beau, parce que non. C'est parce que Dieu vous attire. Dieu fait un travail. Le Saint-Esprit fait un travail. Donc c'est l'œuvre de Dieu qu'il faut reconnaître pour que l'homme ne dise pas c'est moi. Amen, amen. Donc Paul le prend. Paul commence à le modeler, à le transformer. Regardez maintenant comment est-ce que Paul s'adresse à Timothée rapidement. Rapidement, vraiment, 2 Timothée 2, nous lisons à partir du verset 1er. Il dit ceci, « Toi donc, mon enfant, » il parle à Timothée, « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc ici, il appelle Timothée mon enfant. Mais pour passer de l'enfance au stade de jeune gens, il va aller regarder maintenant la suite. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confié à des enfants qui sont aussi capables de les enseigner à d'autres, souffre avec moi. C'est-à-dire, tu ne passes pas de l'enfance à la dimension de jeunes gens sans souffrance. Non. Et la plupart d'entre nous, on veut l'évangile où on n'aime pas la souffrance. Quand on veut serrer un peu, on veut discipliner un peu, on boude et on se fâche. Comment devenir jeune gens? Comment devenir père demain sans passer par la souffrance? Comment? Comment devenir une personne importante dans la société si tu n'as pas été éduqué? Comment? Et le rôle de la parole de Dieu, Paul dit, l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. La parole de Dieu est l'épée, ça construit, ça bâtit, ça éduque. Quand on dit éduquer, c'est-à-dire t'inculquer un mode de fonctionnement, un mode de vie. Parce que nous venons avec nos mentalités pourries du monde. La plupart d'entre nous sortent du monde là. Il y en a, ils étaient des Yomans, des Yankees, de tout ce que vous voulez. Maintenant, si tu n'es pas éduqué, tu vas emmener ça dans l'église. Il y en avait qui étaient des tchatchers. Comment on dit ça? Des beaux parleurs, des lovers. Voilà. Attends, comme ça, tu vas. Maintenant, si on ne te prêche pas, on ne t'aide pas, tu vas faire ça à l'église. Tu dis, ah, j'ai découvert à cette résurrection, il y a de belles nanas. Vrai ou faux? Tu vois, tu ris, non? Vrai ou faux? Donc, s'il n'y a pas une transformation par la parole et par la puissance, tu vas rester dans tes vieilles habitudes et tu vas croire que c'est la norme. Voilà pourquoi les apôtres prenaient beaucoup de temps pour enseigner. Et c'est ce que je vais faire. Là. Deuxième culte là, ne soyez pas pressés. Vraiment. On va faire quelque chose pour nos enfants quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est juste au niveau des enfants là. Mais bon. Et quand je dis ça, on m'a regardé là-bas, donc j'ai compris. Voilà, on va juste gérer ça. Parce qu'il faut enseigner. Mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup de gens font des erreurs. Pas parce qu'ils ont de mauvaises intentions, mais parce qu'ils ignorent. D'autres ne veulent pas abandonner leur conception de choses. Ils veulent rester caïds. Non, avec Dieu, tu abandonnes tes mains et il te transforme. Regarde ton voisin, dit, abandonne-toi et laisse-toi transformer. Amen, amen, amen. Alors, regardez dans le grec ce que ça signifie, enfant. Je veux nous parler, je veux plus m'attarder sur de l'enfance aux jeunes gens. Comment est-ce que tu vas devenir un modèle alors qu'il y a de l'enfance en toi? L'enfant, c'est quoi? L'enfant ici, c'est pas dire que tu as 20 ans, 30 ans. Mais comment on nous appelle des enfants? Non, l'enfant, c'est un état. C'est pas l'âge que tu as. Tu peux avoir 60 ans, mais tu es un enfant. Tout comme tu peux avoir 20 ans, tu deviens père. Tout dépend de comment Dieu, c'est là, en fait, merci. Tout dépend du degré de maturité. Donc, les étapes ici, c'est pour acquérir la maturité. Et s'il n'y a pas la maturité, frères, sœurs, les grâces que Dieu est en train de déverser ici, ce n'est pas la blague. Hein? Ou dans vos réunions, je vois souvent vos réunions de jeunes, même si je ne suis pas. Je vois ce que Dieu fait. Je vois les dimanches comment Dieu libère la grâce de Dieu. Mais vous pensez qu'on ne reçoit rien? On risque de mal utiliser et mal faire les choses
J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce ministère, dans le ministère. J'ai vu des jeunes comme vous zélés aujourd'hui, païens. Beaucoup. Je lève ma main vers le ciel. Donc attention, c'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. C'est pour ça, écoute bien ce qui va être dit là. Si tu n'écoutes pas, tu vas mal finir. On a vu des gens, il y a tous autour, femmes. Il y a des gens qui parlent à Satan comme ça, qui ont fait trembler. Satan, il est là, il t'attend, il dit, ok, on va te voir. Il t'attend. C'est-à-dire, si tu ne laisses pas Dieu travailler à chair pour que tu sois brisé et que tu sortes de l'enfance au stade de jeune gens, je t'assure, tu n'iras pas loin. Et notre rôle, justement, ici à l'église, c'est d'emmener chaque personne. Paul dit, c'est Christ que nous annonçons en instruisant tout homme afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de voir la salle remplie. Si la salle est remplie, mais c'est rempli de bébés spirituels qui sont aux couches spirituelles, je vous assure, on a joué la mission. Mais si ces bébés sont transformés en jeunes gens matures qui atteignent la maturité de Christ, je vous assure, on devient une armée dangereuse que le diable ne pourra pas arrêter. Et c'est de ça que le diable a peur. Voilà pourquoi je vais maintenir dans une dimension d'enfance pour créer beaucoup de cisanie et empêcher le mouvement de Dieu d'éclore. Est-ce que je suis clair? Donne-moi un bon amen. Le mot enfant veut dire ignorant. Galates 4:1. Notez. Enfant en grec, c'est népios. Et népios signifie littéralement ignorant. Attention, l'ignorant là, c'est qui? Parce qu'il y en a qui ont dit ignorant. Non, moi, je suis pas ignorant, je connais la Bible. C'est faux. Un ignorant, ce n'est pas quelqu'un qui peut réciter la Bible du matin au soir, comme un perroquet. Non, ce n'est pas ça, la connaissance. La véritable connaissance, c'est lorsque cette parole que tu as reçue, tu l'appliques. Même si tu es bourré de connaissances, tant que ce n'est pas mis en pratique, la Bible t'appelle ignorant. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc l'ignorant ici, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui peut savoir, mais qui ne l'applique pas. Donc tu es un enfant, tu es un népios, tu es un fou. Ce que la Bible appelle un enfant un fou. Voilà pourquoi un enfant, on lui met sous les tuteurs. Voilà pourquoi il y a des tuteurs, des frères aînés, des sœurs aînées qu'on établit pour pouvoir encadrer les plus jeunes qui viennent dans un seul but. Dans un but de nous emmener à Christ. N'oubliez pas l'objectif de Christ. Est-ce clair jusque-là? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et c'est ça. Paul a travaillé, Paul a milité, Paul a souffert, Paul a enseigné, Paul a frappé Timothée par moment. Parce que, qui ont des enfants? Il y a des personnes qui ont des enfants ici. Quand un enfant fait des bêtises, tu dis quoi? Oh, comme je t'aime trop, je te punis pas. Justement, tu seras bien bastonné parce que je t'aime. Dans notre civilisation aujourd'hui, on n'aime pas le fouet. Quand le fouet, on n'aime pas. Ou même quand vous, les jeunes ici, les parents haussent un peu le temps. Hey, je quitte la maison, tu vas où? Je quitte ma maison, je prends mon appart. Vous me saoulez si... Qui te saoule, tu restes là jusqu'au mariage. Tu vas où? Donne-moi amen. J'en ai marre tout le temps de voir la tête du daron. J'en ai marre. Ça, c'est le langage des jeunes. J'en ai marre tout le temps. Et quand les dents sont abaissées, eh bien, je respire pas. C'est quoi respirer pour toi? J'ai envie de respirer. Respirer, en gros, faire tout et n'importe quoi. Non. Mais que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis en train de te dire à tout le monde sans exception, vous avez du prix, vous avez la valeur, je ne vous méprise pas. Je veux vous encourager, je veux vous pousser, je veux que vous alliez loin, que vous montiez haut. Mais en même temps, soyez des modèles. On est d'accord? Regardez, qu'est-ce qui caractérise l'enfance? Quelles sont les choses que Dieu doit chicoter, frapper, briser, qui caractérise surtout nous les jeunes? J'ai dit nous parce que je le suis encore. Je n'ai pas encore 50 ans, je n'ai pas encore 45 ans. Donc, il ne faut pas me faire sauter d'âge.
je lutte pour conserver. Parce que nous autres, là, c'est jusqu'à 120 ans. Toi, si tu veux vieillir vite, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Amen. Dans Proverbe 6, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais c'est la verge qui va l'éloigner. Ça signifie quoi? Un enfant est un fou. Quand on parle de fou ici, ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la tête. Un fou, c'est une personne qui fait des choses insensées. Je ne dis pas que c'est forcément intentionnel. Je ne dis pas que c'est forcément fait exprès, mais c'est quand même fait. D'accord? Et la Bible parle, la réalité de notre monde aussi le prouve. Ok? Donc du coup, que ce soit pour les parents, et ça j'en parlerai dans les jours qui viennent, pour les parents, il faut maintenir la verge pour les enfants. Et ce n'est pas parce qu'un enfant a 18 ans qu'on ne peut plus le punir. Parce que je vous vois aussi là. Alors, j'ai 18 ans, je suis à la majorité. Oui. Moi, à 15 ans, j'étais responsable. Même avant ça. Je vous assure. Alléluia. Donc, Dieu veut travailler. Dieu veut briser. Regardez ce qui caractérise l'enfance. Et là, je vais toucher trois points. Et puis, je vais parler de la maturité vite fait. Et puis, on va finir. Dans 15 minutes, si tout va bien, on finit. 1 Corinthiens 3. Regardez. Vous avez trouvé? À partir du premier verset, la Bible dit: pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Notez une chose, c'est que quand on est enfant, népios, en d'autres termes, on est charnel. Quand on dit qu'on est charnel, c'est-à-dire qu'on se laisse diriger par nos cinq sens. Ou encore, on laisse notre vieil homme. Vous connaissez le vieil homme? Ah, nous, moi, j'étais comme ça. J'ai entendu un pasteur même dire, nous les enfants de telle commune. Ah! Basta. Ah. Là, le vieil homme a nagé. Il n'est pas resté dans l'eau, il a nagé, il a refait surface. Le vieil homme doit mourir. Donc, quand on dit qu'on est enfant, ça veut dire qu'on est charnel. Et quand on est charnel, on marche par les pulsions, les émotions, les sentiments. D'accord? Voilà pourquoi on dit, non, moi, je me sens blessé, je me sens offensé, je me sens ceci. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été brisé. J'aime le livre de Derek, un des livres de Derek Prince, qui parle de la mort, de la crucifixion. Il dit, Jésus dit que on doit être mort en lui. Comment savoir que tu es mort en Christ? Un mort, quand on l'insulte, c'est ce qu'il répond. Jésus devient mort, tu l'insultes, il se réveille, il dit, pourquoi tu veux insulter? Un mort. Donc ça veut dire que par rapport à ta vie, tu dois mourir. Les choses de la chair doivent mourir. Et je veux citer ces choses que l'apôtre Paul cite ici. Et qui justement, malheureusement, entre... Là, je parle dans le contexte de jeunes, mais attention, ça ne concerne pas que le jeune. Hein. Il y a aussi des personnes âgées qui se retrouvent dans cette situation. Mais là, je veux plus cibler, parce que mon message est ciblé plus sur la jeunesse. Et j'ai demandé à quelques encadrants et à la jeunesse d'être les responsables pour qu'ensemble, et garder le mouvement que Dieu est en train d'emmener, qu'ensemble nous nous joignions pour que ce œuvre aille de l'avant. Et personne ne doit rester à l'écart, puisque cette affaire nous concerne tous. Alléluia. Je continue. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas encore la supporter. Vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, regardez maintenant les choses que Paul cite ici, qui font partie de les œuvres de la chair. Il montre qu'on est encore enfant, on est encore enlacé, et que Dieu doit nous détacher de ça. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, ne marchez-vous pas, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Verset 4, l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs au moyen desquels vous avez cru.
C'est le nom que le Seigneur a donné à l'un, à chaque plutôt. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, de sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc Paul soulève trois choses. Notez-moi ça bien, jeunes, chers jeunes, des choses qui doivent sortir du milieu de nous. La première des choses que Paul ici évoque, il dit, il y a au milieu de vous de la jalousie. Quelqu'un dit avec moi la jalousie. La jalousie vient souvent quand on se compare. La jalousie vient souvent quand on n'accepte pas ce qu'est l'autre, la grâce de l'autre, ce que Dieu fait avec l'autre, ou ce que Dieu donne à l'autre. Et pour votre information, si Caïn tue Abel, c'est à cause de la jalousie. C'était une œuvre de la chair. Et on se tue entre nous. On se sourit, mais en douce, on se tue. Délivre-nous, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. Amen. Je disais, c'est la délivrance totale. Il faut donner un bon amen. Pourquoi tu es jaloux des autres? Aide-moi à dire à ton voisin pourquoi tu es jaloux. Je sais qu'il va te dire, moi, je ne suis pas jaloux. Mais pose-lui quand même la question, pourquoi tu es jaloux? On se jalouse pour tout et pour rien. Pourquoi moi on ne m'a pas choisi? Pourquoi moi mon papa m'y chanter? Pourquoi moi je ne prêche pas? Pourquoi moi je ne pars pas en mission? Pourquoi moi ceci? Pourquoi moi cela? Mais est-ce que c'est une question de jalousie? Ça c'est l'enfance. Et à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de jeunes aussi, mais qui s'est jalousé. Et pire encore aujourd'hui, dans notre contexte, je ne parle pas ici de cette présomption, mais de la jeunesse un peu, d'une manière générale, vous rencontrez beaucoup de jalousie quand les relations veulent commencer à naître. On ne vient pas à l'église pour pointer un frère. On ne vient pas à l'église pour pointer une sœur. Amen. Non, donnez-moi un bon amen ici. Là. Amen. Je prophétise que tout le monde va se marier ici. Mais vous allez vous marier selon le Seigneur. Dans ma langue, on dit à Kangiboué. C'est à moi. Pas bouger. Restez là fixé. Bam. Et d'autres encore sont tellement. Pour vous montrer comment la chair fait des dégâts. Tellement qu'elle aime la sœur. Ah, j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Je t'ai vu en robe blanche. Et moi j'entends avec toi. Et l'apôtre nous bénissait. Fait comme ça. Je veux nous aider. Regardez. Je suis conscient d'une réalité parce que je suis passé par là. Avant d'être consacré, quand j'ai été consacré pasteur, je n'étais pas encore marié. Et figurez-vous, vous êtes pasteur dans une grande église, vous n'êtes pas marié. Les visions de sœurs. J'ai eu au moins 10 sœurs, maman, qui avaient des visions avec moi. Je dis, oh, donc le Saint-Esprit m'a pris, je suis devenu Salomon. S'il y a des gens qui sont garés à l'entrée du parquet, apparemment il y a la police qui est en train de. Voilà, je vais vérifier hein, si vous êtes en train de parquer rapidement. On va partir bientôt, vraiment, je vous assure. Prions et nous travaillons activement. On vous donnera les infos dans les jours qui viennent, toutes les précisions. Voilà, on est vraiment fatigué de cette situation. Dieu est miséricorde pour nous, au nom de Jésus. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Je veux nous aider, jeunesse. Regardez-moi très bien, tous. Regardez-moi bien dans les yeux. Quand on est jeune, il y a ce qu'on appelle les passions de la jeunesse. Il y a ce qu'on appelle des pulsions. Tu es là, tu sens comme si... Ah!
Tu as besoin de quelqu'un. C'est vrai, tu aimes Dieu, tu pries en langue, tu sers Dieu. Mais quand même, de temps en temps, un peu de cinéma, un peu de restaurant, un peu de balade à la Tour Eiffel. À deux, quoi. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à tout le monde, ces pulsions-là, ce n'est pas un péché. Ouais. Ah, tu vois, non. Ah, ah, j'entendais te dire, ah, l'apôtre veut. Non, 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 non. Dis avec moi, ce n'est pas un péché. Mais regardez ce qui est un péché. Ah, là, tu vois, je vais t'avoir maintenant. Il y a un piège là-bas. Un piège, le piège, c'est lequel? Le piège, c'est dit, bon, comme les pulsions montent, donc j'y vais. Non. Tu dois avoir la maîtrise de soi, pas la maîtrise de l'autre. On nous a dit, les hommes, opération cadena. Les femmes, opération ciseaux. Et quand tu oses, tu dis, pas pour l'instant. Maintenant, je veux parler à ceux-là qui sont jeunes. Et plus sûrement, vous sentez que vous voulez vous engager. Je parle de jalousie. Je dis ça pour nous aider, nous tous. D'accord? Lorsque vous sentez des choses comme ça, vous éprouvez des choses comme ça, je vous ai dit que ce n'est pas un péché de ressentir ce genre de choses. Ça s'appelle les réalités de l'âge, d'accord, auxquelles vous êtes confrontés. D'où l'importance d'être encadré, d'avoir un père aussi qui est là, qui peut vous guider en disant, dans ce stade auquel vous êtes, voici la démarche à faire et voici les choses qu'il faut éviter. Et quand on dit ces choses, on ne le dit pas pour vous brimer. On le dit pour vous aider parce qu'on a vu hier, il y en a qui n'ont pas écouté et ils se sont grillés. Vous voyez? Amen. Ok. Didi, viens. Comme on est marié, viens. Je vais prendre quelqu'un d'autre, viens, viens. C'est ma femme, non? Tu la connais pas? C'est elle qui a conduit l'église. Pourquoi tu n'acclames pas? Tu es suspect, hein? Bon, regarde, regarde, regarde. Est-ce que tu es béni? Amen. Quelqu'un est béni? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, admettons qu'on n'était pas encore mariés. Tu vois, je sens quelque chose. Elle aussi sent quelque chose. Je précise encore, ce n'est pas un péché. Ça, c'est la première base. Maintenant, qu'est-ce qui devient un péché? Moi, le jour où, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations, je vous assure, beaucoup de rêves, de visions, mais bon, comme en même temps, je suis gentil, mais en même temps, je suis ferme. Je vais rigoler avec toi, mais c'est non. Parce qu'on ne se marie pas par prophétie. Non. Quand je serai dans la maison, je ne vais pas regarder la prophétie du matin au soir. Toi, tu crois que les mariés prient à l'âme du matin au soir? Des fois, ils se fâchent même. Voilà, tu es choqué. Tu vois, tu rêves. Les mariés, je mens? Marvin, je mens? Voilà. Et voilà. Deux jours, ramassakate kiribusubra, yatakaya baraba. Bon, je ne parle pas de nous, je parle des autres. Nos règles. Maintenant, tu sais que il y a une attraction. Je précise, est-ce que c'est un péché? Non. Ok. Que faire? C'est là où beaucoup d'entre nous tombent dans les panneaux. On ne demande pas conseil. On fait tout ce qui nous passe par la tête. Et en faisant tout ce qui nous passe par la tête, ça arrive que, hein, on s'est dit, bon, on fait un petit resto, quoi, tu vois, un petit resto, genre, hein, genre, voilà. Et puis, bon, je vais chercher en voiture, ou bien, bon, c'est un rendez-vous à la gare du Nord, et puis, voilà. La gare du Nord, je veux commencer à prendre le train maintenant. Je veux venir à la gare du Nord. Parce que c'est une gare compliquée. Alléluia.
Maintenant, on est parti au restaurant. Viens. On est au restaurant. Assieds-toi, s'il te plaît. Là, maintenant, on parle. Attention, c'est devant le repas que Ève est tombée. Amen. Dis à ton ami, attention au repas. Je suis en train de donner des révélations. C'est des tchoukis spirituels. Amen. On parle, on cause. Pendant que vous êtes en train d'entretenir cette relation, regardez ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle un lien d'âme. L'âme de Douglas va commencer à s'attacher à l'âme de Lydie. Et quand on ne se voit pas, on est mal. Oh, ça va bébé? Tu me manques. Quand je ne te vois pas, j'arrive pas à dormir. J'arrive même plus à prier. Quand je prie, je vois ton visage. Toi, tu ne vois pas Jésus. Ah, fais comme ça. Tu comprends, non? Maintenant, ça, c'est le premier jour. On s'est vu. Et puis, bon, je la raccompagne. Un autre jour, on le fait. Maintenant, tu sais, comme les enfants sont malins, ils vont attendre après le culte. C'est la communion fraternelle. Tu vois, j'étais attrapé. Quelle communion fraternelle? Communion fraternelle, on doit être beaucoup. Ah ouais. Toi, ta communion fraternelle, c'est à deux. Ou bien non, je vais t'enseigner. Donc, toi, tu n'enseignes qu'aux soeurs. Alors qu'à l'église, il y a un programme d'enseignement. Toi, tu enseignes dans l'église. Dis à ton ami, ce monsieur-là, c'est un vieux père. C'est pas d'aujourd'hui, on connaît cette affaire. Il ne faut pas me blaguer. Moi, je regarde des fois, je ris seulement. Il me prend moi pour un vrai ignorant. I know. Deux fois, trois fois, les liens commencent à se créer. Regardez, ce que hier vous ne faisiez pas, vous allez commencer à essayer. Tu vas essayer de toucher sa main, vrai ou faux? Et quand tu commences à toucher la main comme ça, des sensations vont naître. Voilà, tu vois, tu fais comme si tu ne connais pas. Voilà, vous n'allez pas m'avoir sans effet. Personne n'est timide aujourd'hui. Je vais parler. Tu vois, tu touches comme ça. Ah, et puis il y a touché et touché. Et puis rappelez-vous de ce que je disais. Il y a un frère qui était lover. Donc il a un peu d'expérience. Il sait que quand il donne un coup comme ça, ça suscite. Et puis n'ose pas dire Ramachaka. Parce que là, c'est pas Ramachaka. C'est quelque chose qui est en train d'être. Donne-moi un bon amen. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et puis vous finissez le restaurant. Vous allez rentrer. Vous allez vous tenir par la main. Vous causez. Ah, la main ne suffit pas. Maintenant, toi, tu es fer, tu touches comme ça. On va se dire la vérité. Sa poitrine contre ta poitrine. Oh, 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 l'adrénaline, ça monte. Il y a une chaleur. Oh, je sens le feu du Saint-Esprit. Frère, c'est le feu du péché. Donne-moi un bon amen. Je peux parler aux jeunes? Est-ce que je peux parler aux jeunes? Et puis, ce n'était pas du tout prévu. Maintenant, comme la sœur habite seule, tu vas l'accompagner chez elle. Bon, on prend quand même un petit verre. Tu peux pas rentrer comme ça, n'est-ce pas? La route est longue. Faux raisonnement. C'est le diable malin. Hein? C'est pour ça qu'il faut veiller. On monte, on prend un verre. Et puis on s'allonge un peu sur le canapé. Bon, ça fait quand même un petit moment qu'on a mangé. Je te fais une petite semoule de pâtes. Semoule pâtes. Et puis, vous tombez. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne dis pas que vous êtes mauvais, au fond. Mais de l'enfance, vous n'avez pas su savoir encadrer.
maintenant, autre chose. On est ensemble. Ça, c'est les jeunes. Je vous donne un conseil. Un conseil sage. Lorsque vous commencez à sentir quelque chose pour quelqu'un, vous éprouvez des sentiments, des émotions pour une personne, l'amour qu'on éprouve pour une personne, dans la Bible, il existe quatre types d'amour. D'accord? Storgé, agapé, philéo, eros. Quatre types. Je vais en parler peut-être un de ces quatre. Il y a une sorte d'amour qu'on appelle l'amour eros. L'amour eros, c'est cet amour qui unit un homme à une femme. C'est-à-dire, on tombe amoureux d'une personne. Donc, tu ne peux pas, toi, une femme, tomber amoureux de toi, amoureuse de trois personnes. Il y a un problème. Soit il y a un démon qu'il faut chasser, soit il y a des blessures qui doivent être guéries. Comprenez, deux possibilités. Hein? Ok? Et quand vous vivez ça, venez nous voir, il ne faut pas avoir honte. On va vous aider. Parce qu'on est là pour ça. Toi, frère, tu ne peux pas te dire, bon, j'aime Lydie, en même temps, j'aime Prisca, en même temps, j'aime Joséphine. Non. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit. Maintenant, d'autres choses qui arrivent que j'ai vu aussi dans, tout au long de mon parcours, c'est que je demande la main à Lydie. Et puis bon, vous savez, les sœurs ne disent pas toujours oui. Tout de suite. N'est-ce pas, Michel? Voilà. Elle va te dire d'abord, je vais réfléchir. Et les frères n'aiment pas ça. Parce que les frères, c'est un temps. Tu comprends, non? La femme a besoin de réfléchir parce qu'elle pense à tout. Elle pense à ton visage, à son visage. Quels sont les enfants qui vont sortir de là? Est-ce que je mens? Vrai ou faux? J'ai dit de vérité. Frère Théo, invitez-moi dans la réunion des jeunes. Là, tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? L'homme ne fonctionne pas comme ça. L'homme, quand il voit la femme, il voit déjà, bon, ça va fonctionner, puis c'est bon. Un temps, bam, le match est fini. Mais la femme va plus loin. La femme te voit déjà, dit, est-ce que quand je veux te présenter mes copines? Acclamez pour Jésus, acclamez pour moi aussi. Ah, tu vois, non? Donc, il y a tout un système qui est déclenché. Elle réfléchit déjà à tous les détails. Quand je vais t'introduire chez ma mère, parce que c'est ma mère qui doit avec mon père, parce que si je veux voir mon père, ça ne passera pas. Donc, il y a déjà tout un schéma. Voilà pourquoi elle ne dit pas oui tout de suite. Maintenant, toi aussi, les frères, tu es trop pressé. Parce que la femme m'a dit, bon, moi, c'est vrai que j'avais quand même eu la pression aussi. J'étais jeune aussi. Mais j'ai attendu jusqu'à ce que ça soit bon. Et là maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je suis allé voir mon pasteur. Nous sommes dans l'église. Merci, tu peux t'asseoir. Nous sommes dans l'église. Je dis ça pour nous aider, nous tous. Amen. Pour qu'on fasse des choses de la bonne manière. J'ai dit, pasteur, tu me connais. Voilà. Je ne suis jamais venu te voir pour X. De toute façon, je n'ai jamais été un gars à femme. Jamais. Et si tu as essayé, tu essaies, franchement, tu es tombé dans l'eau. Voilà. Alléluia. Voilà. Mais là, c'était du sérieux. J'ai dit, bon, je suis intéressé par telle soeur. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, ah, c'est ma fille. C'est bien, moi, je suis content. De toute façon, j'avais déjà reçu ça pour vous. Ah bon? Et puis, il a commencé à me donner le conseil. Faites ci, évitez ça. Et puis il m'a dit, quels sont vos projets? On a parlé. Puis après, rendez-vous avec nous. Il a parlé avec nous. Parce que le père spirituel a beaucoup de rôle à jouer. Je ne dirais pas plus que nos parents dans la maison. Mais il peut vous guider dans le choix. Vous imaginez, écoutez une chose, jeune, très cher jeune. Je tiens à vous parler vraiment avec mon cœur. Pour nous éviter des erreurs. Parce que je sais que le temps veut détruire beaucoup pour rien. Mais il a joué. Il y a des gens qui viennent, qui vont te confesser dans le bureau, pasteur. Je suis sorcier. Je suis sorcière.
Je ne sais pas, sur la chair ici, tu vas dire, bon, tel. Non, jamais. Ça s'appelle le secret professionnel. Mais quand vous allez, sans même demander l'avis, quand le pasteur te dit, prie d'abord, ou bien dit, je ne suis pas convaincu, il ne va pas te dire la vérité parce qu'il ne peut pas exposer la vie d'une personne qui lui a confié quelque chose qui est secrète. Est-ce que vous voyez un peu? C'est à vous d'avoir l'intelligence pour dire, ah, si on m'a dit ça, ça veut dire que je dois prendre le temps. Le problème, c'est que la précipitation fait qu'on fait des erreurs et puis on regrette. Or, ces conseils vont nous aider à se dire, bon, je dois marcher de telle façon, tout ça. Amen. Mais quand il n'y a pas d'objection, on va te dire, bon, il n'y a pas de souci, faites-ci, faites ça. Et quand on donne des conseils, un enfant écoute. Regardez Proverbes chapitre 4. Oh Seigneur, vraiment. Vous me pardonnez, hein? Regardez, Proverbes 4, verset 1. Il dit au verset 2. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. La sagesse s'apprend. Oui, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Un père a la responsabilité d'instruire les enfants. Et moi, comme j'ai des enfants autour de moi qui sont des leaders, que je forme, que j'encadre, je les enseigne souvent. J'ai beaucoup de temps de prière avec eux, de temps de formation, d'enseignement, pour qu'eux fassent le travail que je ne peux pas forcément faire, vu l'ampleur que le travail est en train de prendre. Voyez un peu. Mais ces conseils, c'est pour notre bien. Personne ici donnerait un conseil pour te dire, non, il ne faut pas que tu te maries, il ne faut pas que tu avances. Non, mais si on dit attention, c'est qu'il y a danger. Ne cherche pas à toucher au feu et à te griller pour ensuite apprendre. Non. Parce qu'il y a des erreurs irréparables. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc voilà. Donc demain, si vous sentez que ça monte, venez me voir. Venez voir les responsables. Venez me voir. Quand on va voir les responsables aussi, ça prouve que c'est du sérieux. Amen. Il y en a, ils ne font pas parce que je ne dis pas qu'ils ne considèrent pas forcément les responsables, mais ils se disent non, on veut d'abord voir si c'est vraiment bon. Je ne parle pas de ce type de personnes. Ça veut dire qu'on n'entreprend rien sans que ce côté-là soit fait. Amen. Et puis lorsque, là j'en parlais plus dans le mariage, quand je vais toucher l'aspect, dans les jours qui viennent, quand je parlais de la famille, du mariage et tout, lorsqu'on commence une relation, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Et il y a des degrés de relation. Il y a le stade où on se fréquente, un stade où on apprend à se connaître, un stade où on veut se présenter maintenant devant les autorités, c'est les parents spirituels, les parents à la maison, et puis le stade de fiançailles. Que faire dans les fiançailles? Que ne pas faire? Jusqu'au mariage. Tout ça, c'est des choses à savoir pour que vous soyez des modèles. Parce que si tu vas prêcher à quelqu'un et que la personne est touchée par toi et qu'il te voit vivre comme un païen, tu perds la personne et le sang va tomber sur toi. Voilà pourquoi tu dois être un modèle. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. C'est ça qu'il faut faire. Dorénavant, quelle que soit une relation, vous sentez, priez d'abord. Vous êtes convaincu? Parlez-en. Et c'est bon? Allez voir, ça va éviter. Et puis ça va éviter aussi que, ça veut dire dans l'église, il y aura beaucoup de jeunes, il va avoir des préférences. Hein? Tel préfère ça. Vous savez, attendez. Les préférences, ce n'est pas un péché. Avoir des affinités avec les uns et les autres, ce n'est pas un péché. Mais il faut juste savoir comment gérer mes affinités. Pour que dans mes affinités, que je ne crée pas une division ou que je n'exclue pas les autres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde me suit? J'ai des affinités avec Hilary, j'ai des affinités avec Pami. Et oui, si je ne sais pas gérer les affinités, toute personne qui entre dans notre cercle, je deviens jaloux. C'est valable aussi dans les couples. Hein? Donc, première chose qui caractérise les enfants, la jalousie. Deuxième chose, il dit quoi? Les disputes. Les disputes, c'est quoi? C'est des échanges de peau, de mots, des paroles, des querelles. Tu vois? Où on va, on risque même de se faire mal. Bien-aimé, il faut faire attention aux paroles. Vous savez, lorsque quelqu'un vous blesse avec une parole, c'est pire qu'une personne qui vous a poignardé avec un couteau.
La raison pour laquelle, enfants de Dieu, autant que nous sommes, nous devons savoir gérer. Même quand une situation ne me plaît pas, je dois savoir me contenir et savoir quoi dire et quoi ne pas dire, de peur de heurter. Vous vous imaginez, à cause de moi, de ma parole déplacée. Voilà pourquoi je disais à un frère, il n'est plus avec nous, serviteur de Dieu, je disais, tu as blessé des gens, il faut aller demander pardon. Il dit, non, je ne vais pas demander pardon. Et moi, je suis allé pour maintenir la paix, garder les enfants spirituels qui étaient quand même offensés à une certaine réalité. Je dis, mon frère, ma soeur, si je vous ai blessé, si l'église vous a blessé, pardonne. On va raconter, et bien on dit les choses, et puis quelle est cette porte qui va demander pardon aux gens? Attends, vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes dans des titres? On reconnaît un enfant de Dieu par le cœur. Bien-aimé, je suis là, je lève ma main au ciel. Si j'ai blessé quelqu'un, tu veux me voir apôtre, tu m'as blessé pour ça et ça, je vais te demander pardon. Ceux qui me connaissent peuvent vous le dire. Je n'ai pas du mal avec ça. C'est pas ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. C'est pas parce que je suis un caïd, moi je demande jamais pardon aux gens. Tu es un fou. Tu es une folle. Et tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu caractérisé par l'humilité. Voilà la vertu, l'humilité, le respect des autres, l'amour. Amen. Nous penchons tous de plusieurs manières. Ça peut m'arriver d'avoir des paroles déplacées. Je suis qu'un homme. Mais si on me dit, frère, pasteur, notre papa, franchement, cette parole-là, ça ne m'a pas plu. Ça m'a pas... Ah, ok, c'est vrai. Oh, pardonne-moi. Parce que je vous assure, bien-aimés, avec le peu d'expérience que j'ai, je connais la puissance des paroles. Je vous ai prêché ça la veille ici. Les paroles ont la capacité de détruire vie. Plus qu'une arme à feu. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'au milieu de nous, qu'ils se retrouvent, on se tire le couteau à gauche, à droite. Non, 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 on se parle. Mon frère, ma soeur, tu m'as fait quelque chose ou je t'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Mon frère, d'ailleurs, moi, c'est comme ça. Quand je ne suis pas content, je vous appelle. Moi, je ne dors pas avec des choses. Franchement, je ne dors pas. Je vais t'appeler. Là, je ne suis pas content. Ça, c'est pas comme ça. Et puis, un point, un trait. Et quand je dis ça, c'est fini. Dans mon cœur, il n'y a aucune rancune et je dors bien et je suis en relation avec le ciel. Si Jésus revient, je monte. Les gens qui ont le cœur lourd, chargé, quand Jésus revient, vous allez rester parce que la rancune, le manque de pardon alourdit. Et c'est la stratégie du diable. Et Paul dit, il y a au milieu de vous des disputes. Donc ça veut dire que dans la jeunesse, on se retrouve. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes garçons. Il peut y avoir plusieurs types d'histoires qui peuvent arriver. Là, je parle en général. Hein. Je ne cible pas un problème en particulier. J'ai dit, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent ressurgir. Savoir maintenant comment agir, comment réagir. La maturité spirituelle se manifeste d'abord dans nos actions, mais surtout dans nos réactions. Quand je vois tes réactions, je peux savoir si tu es mature ou pas. Et laissez-moi vous dire, je suis très observateur des uns des autres. Dans la jeunesse, là, je vois. Amen. Amen, amen. Troisième chose que je vais épingler, je finis là. Les divisions. Les divisions viennent comment? Les divisions viennent par des sectes. Et les sectes commencent par des... je disais tout à l'heure d'ailleurs, des préférences ou encore des affinités. Dans l'église, c'est tout à fait normal. Écoutez bien, l'église, l'assemblée des saints, plus l'église grandit, on ne peut pas être ami à tout le monde. Vous devez reconnaître cette vérité. Voilà pourquoi il y a de petits groupes. Mais cependant, tous les petits groupes doivent se fondre dans la masse. Autrement dit, ça commence à mener des fissures. Parce qu'autant de Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui disaient, nous sommes de Paul. Dis, nous sommes de Paul. Voilà, ça, quand on les regarde, voilà le groupe de Paul. Premièrement, nous sommes d'Apollos. Nous sommes d'Apollos. Voilà le groupe des Apollos. Et bien évidemment qu'il y a des groupes comme ça, sans le savoir, ça fait une compétition. Vrai ou faux? C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi Paul se fâche, il dit, quoi? Est-ce que je suis mort pour vous? Apollos est mort pour vous? Ou nous sommes des simples serviteurs? Et nous tous, tels que nous sommes,
ici à l'église. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos esclaves. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Nous sommes là pour travailler pour que vous deveniez comme Jésus. Personne ici n'a un patron, commençant par moi-même. Et j'ai horreur des gens qui se comportent comme un patron. On n'est pas des patrons. On est des serviteurs, des esclaves. En hébreu, en grec, c'est doulos. Un esclave serviteur. C'est ça le vrai sens. Amen. Et les divisions, ça fait beaucoup de mal. Ça fait qu'on ne va plus suivre la vision de Christ. Tout ce qu'ils doivent nous unir, c'est Christ. Il y en a ici qui vont sortir, nous envoient le feu pour aller évangéliser. Eh bien, c'est une bonne chose. D'autres sont un feu pour venir prier. Eh bien, c'est une bonne chose. Mais tout doit se faire pour un seul objectif, c'est Christ. Dès l'instant que les objectifs commencent à changer, c'est-à-dire on commence à vouloir se faire un nom, ça devient dangereux. Et c'est là l'esprit de Babylone qui commence à entrer. Un message pour moi? Ok. Je suis à la fin, je suis en train de finir et je vais laisser quelques mots pour la prière, pour les questions et puis je vais prier pour vous. Chers enfants de Dieu, chers jeunes, ne venez pas faire des groupes à l'église. Non. On est en groupe parce que tel groupe, ils habitent par exemple dans le même coin, ils font des choses. Gloire à Dieu. Tel autre groupe habite au nord, là-bas, ils font des choses. Gloire à Dieu. Mais dans l'ensemble, nous sommes un corps. Et dans un corps, il y a un ordre qui est établi. À la maison chez vous, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Il y a un papa, il y a une maman. Donc il faut respecter l'ordre établi. Dans l'église, il y a un ordre qui est établi et tout le monde doit se plier. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons travailler pour une même cause. Corinthiens 13 et je termine. Regardez, et j'aimerais qu'on le lise ensemble à haute voix, parce que c'est mon dernier verset. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Donc, à chaque fois qu'on retrouve ces choses, jalousie, dispute, division, la chair, il n'y a pas l'esprit dedans. C'est l'esprit de vouloir se faire voir, se faire entrer. Et pour ceux qui sont proches de moi, ils savent. Moi, je ne cherche pas à me faire montrer. Si je pouvais, croyez-moi, j'aurais bien voulu le faire. J'aurais pu le faire. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que le but de... Est-ce que quand je vais rentrer aujourd'hui, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, est-ce que l'objectif, le but que tu voulais qu'on atteigne tout au long de ces buts, est-ce que ça a été atteint? Sinon, c'est la comédie. Sinon, c'est un passe-temps. Dieu fait toutes choses pour un but. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lisons ensemble, s'il vous plaît, regardez dans la Bible, lisons ensemble. On lit 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce qu'on va le relire? On peut le relire encore à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire, pour que Timothée, ici c'est Paul qui parle d'abord pour lui-même, mais il a fait aussi avec Timothée, pour sortir Timothée de l'enfance, parce que Timothée, tout comme Paul à l'époque, il raisonnait comme un enfant, il pensait comme un enfant. Donc ici, il y a des personnes certainement... Je ne dis pas c'est mal intentionné, mais il y a encore de l'enfance. Donc on raisonne comme un enfant, on pense comme un enfant, on agit comme un enfant, on porte des actes comme des enfants. Eh bien, ça amène justement des dégâts. Il dit, mais quand je suis devenu homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître. Aide-moi à dire à ton voisin, à partir d'aujourd'hui. Dis-le-lui à haute voix, à partir d'aujourd'hui. Tu dois faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Pourquoi tu ne parles pas? Regarde l'autre voisin. Ok. Et il y en a qui te boudent là. Regarde celui qui ne te boude pas. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas le soir, c'est après le culte là. Maintenant même. Dis, à partir de maintenant, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfance plutôt. C'est-à-dire les disputes. Dis les jalousies. Dis les divisions.
Je les fais, je les renverse. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Qui veut renverser ces choses? Je vois les mains. Qui veut renverser ces choses? Lève bien tes mains, lève tes mains. Qui veut renverser ces choses? Parmi vous, il y a de vrais leaders. Ne vous méprisez pas. Je disais à la jeune Marie-Élie, quelque temps, lève-toi, viens. Viens. Aigle, tu vas où? Tu as prié pour les jeunes, reste. Vous avez du travail à faire, vous les aidez. C'est pourquoi j'ai demandé les aînés soient là, vous les aidez. Dieu va nous demander des comptes là. Les amis, écoutez-moi très bien, vraiment s'il vous plaît. Moi je ne fais pas le travail de Dieu en rigolant. Quand vous voyez Dieu envoyer des gens, ce n'est pas un acquis. Derrière ça, il y a un jugement quand les choses ne sont pas bien faites. Donc les leaders qui sont à mes côtés, vous devez être très sensibles par rapport à ce que vous voyez. Dieu n'envoie pas ces personnes comme ça juste pour vous remplir la place, pour commencer. Nous on est beaucoup, nous Dieu nous fait grâce. Non, c'est un jugement. Est-ce que vous me suivez? Mes chers leaders, vous me suivez? Voilà pourquoi je veux que ça soit un travail d'équipe, un travail de sang, où on parle le même langage, on poursuit la même vision, le même but. Sinon, Dieu va me demander des comptes. Jacques dit, nous serons jugés sévèrement. Ne prenez pas les paroles, ne prenons pas les paroles de Dieu à la légère. Des jeunes se perdent s'ils sont mal encadrés et qu'ils viennent à l'église. Ils tombent, ils deviennent enceintes. Ils font n'importe quoi. C'est le témoignage de Jésus et c'est nous tous qui prenons. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je veux qu'à partir de maintenant, qu'ensemble, que nous nous allions derrière le bien-aimé qui sont en train de faire le travail, notamment le frère Théo et les autres, parce que la majorité, en faisant les ratios, nous avons plus de 70 à 80% de l'église, c'est des jeunes. Ça veut dire que là, on doit concentrer notre énergie. Le plus, je ne méprise pas les femmes, parce qu'après, c'est des femmes. Bon, nous les hommes, gloire à Dieu, que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la grâce et la miséricorde. Claude et Marc, mais regardez-moi bien. Nous les hommes d'action, sans action. Oh Seigneur, ta grâce, amen. Est-ce que vous voyez? Je veux dire que la responsabilité est grande. Cette semaine, j'ai beaucoup pleuré dans la présence de Dieu. Je me dis, Seigneur, si des âmes se perdent, le sang sera entre nos mains. Nous voulons gagner. Il a l'évangélisation. Je lui dis, qu'est-ce que je répète souvent? C'est bien de sortir, d'aller gagner des âmes. Mais les âmes qui sont gagnées, qui viennent à l'église, si on n'en prend pas soin et qu'ils se perdent, ce qu'on fait là, c'est une coup de paix dans l'eau. Ça veut dire que le travail doit se faire à deux dimensions. Ceux qui vont à l'extérieur gagner, mais un grand travail doit se faire en interne pour une bonne prise en charge et pour bien aider et un bon accompagnement parce que Dieu compte. Quand tu en as, toi, tu m'as parlé que tu voulais évangéliser. Ça commence quand? 3 ans, c'est ça? Deux, trois ans. 2 ans. Je t'avais dit non. Tu avais quel âge? Ok, tu veux que j'en sache ou pas? J'avais 16 ans. J'aurais pu te dire, tu as 16 ans, tu ne pars pas. J'étais empêché. Je t'ai dit quoi? Vas-y. Je lui ai dit, vas-y. Parce que, je l'ai déjà dit, Dieu m'a monté, je lui avais dit, tu es jeune, mais tu es un leader. Maintenant, le danger est lequel? Le danger, c'est que, quand un potentiel est manifesté comme ça, il faut un bon encadrement. Avoir la grâce, ce n'est pas tout. C'est être formé, être préparé. Parce que bien commencer ne veut pas dire bien fini. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que Dieu fait, notamment au travers de toi et au travers de plusieurs qui sont ici. J'ai pris l'exemple parce que j'avais à discuter directement avec elle. Elle m'avait demandé au téléphone. Téléphone, c'est ça? Téléphone.
y a plusieurs jeunes qui sont impactés. Mais en même temps, le jugement est là. Ça risque d'être sévère. Donc il faut bien faire les choses. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Donc, tous ces jeunes qui ont des potentiels comme ça, à partir d'aujourd'hui, Marie-Hélène et les autres là, que tu oses connaître avec les autres, les référents, tout ça, je veux faire un travail de fond avec vous. Nous devons travailler toute son équipe avec les leaders. Michel, Hervé, il a poussé au haut de scène là-bas. J'ai dit, tu reviens tout de suite après là-bas. Donc, il est là. Vous voyez? Tout le monde, Mike, Aigle, Marc, Pami, Aimé, tous les autres, tous, Kader. Que Dieu t'accorde vraiment la grâce pour que les samedis, tu sois libre à la cause du travail qui t'attend là. Je prie vraiment que ce qu'on a vu tout à l'heure là au bureau là, que Dieu, avant le mois de septembre, réalise ça pour toi. Oui. Il était en train de me faire des trucs là et puis je me disais, mais il ne faut pas qu'il me blesse. Il commence à prophétiser. Les frères saisis comme ça, attention, là, il y a des veines là. Et c'est Dieu qui parlait. Oui, je vous assure. Et ça m'a encouragé. Et j'ai compris le message au travers de ce que j'allais dire aujourd'hui. C'est un jugement. Vous savez, moi, ce que Dieu m'a dit il y a 2 ans, il m'a dit, chaque samedi, viens ici. Avec toutes les personnes qui veulent d'ailleurs, l'appel est lancé à tout le monde. Ceux qui veulent l'intercéder. De 21h à 1h du matin, ici. Et ça fait 2 ans, jour pour jour, à moins que je sois en déplacement. Mais je suis là, avec une équipe de gens bien aimés, qui ont désir. C'est pas forcé. Si tu as cœur, viens. Parce que c'est un travail qui se prépare dans la prière. Rien de grand ne naît sans la prière. Et les choses grandes se maintiennent dans la prière jusqu'au retour de Jésus. Voilà qu'on doit se maintenir dans la prière. Et quel est le nombre de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus? Il y a un combat spirituel derrière. Le diable pensait qu'il va laisser tranquille. Il faut qu'on intercède. Il faut qu'on soit derrière pour encadrer. Il faut aussi que les jeunes qui sont en train d'encadrer, on vous dit non, c'est pas ça. Vous écoutez aussi. Vous écoutez. Pour qu'ensemble, qu'on marche même pas, qu'on atteigne les objectifs du Seigneur. Parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes tous de l'armée de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a 2-3 questions? Je sens qu'il faut que j'arrête là. Il y a 2-3 questions rapidement. 2-3 questions max, pas plus. Et puis je vais prier. Je vais demander à ce que les responsables, vous allez m'aider à prier pour les jeunes. Ceux qui ont des questions, levez simplement la main. Vous avez ce que je viens de dire ou des questions qui vous tentent l'esprit. Levez simplement la main rapidement. Le temps est passé. Merci encore d'avoir pris le temps. Merci infiniment. Merci. Je sais qu'il y en a qui pouvaient avoir des programmes. Vous avez cancelé. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et c'est les questions. Questions où les choses ont été claires. Gloire à Dieu. Je pense que les choses ont été claires. Ça va? T'as une question? Ça va? Non. Non. Ok. Pas de question là-bas au fond? No question? Question? Ok. D'accord. Tenons-nous debout dans sa présence. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette exhortation? Si tu as été béni, acclame Dieu. Je prophétise que vous allez aller de l'avant. Je prophétise qu'une nouvelle race est en train de sortir à partir de maintenant. Je prophétise que tous les plans de l'ennemi fomentés dans le monde occulte échouent à partir de maintenant. Oh, je suis en train de parler, je suis en train de déclarer, je suis en train de décréter. Une nouvelle saison arrive pour la plupart des jeunes ici. Pour nous tous, sinon, je déclare et je décrète une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Que la grâce de Dieu puisse vous saisir et vous impacter. Oh, tous ceux qui ont à cœur la jeunesse, tous ceux qui ont le fardeau, levez vos mains s'il vous plaît. Fermons nos yeux, levons nos mains. Oh, je sens une onction merveilleuse du Saint-Esprit qui est en train de descendre. L'équipe d'accueil, protocole, aidez-moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Levez simplement le main. Dieu est content. Je sens le cœur de Dieu dans la joie parce qu'il veut rétablir beaucoup de choses dans la jeunesse. Dieu est en train de redonner confiance, redonner espoir. Tu sais, tu es là.
Tu as manqué de confiance tout au long de ta vie. Tout au long, tu as été tellement humilié, méprisé, rabaissé, que tu as eu un manque de confiance en toi, un manque d'estime. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, le Seigneur est en train de te redonner ton identité en Jésus-Christ. Là où tu es, tu reçois une identité nouvelle par le sang de l'agneau. Il imprègne cela en toi. Oh my God, oh my God. Nos mains levées. Que Dieu souffle son onction. Que Dieu souffle son esprit. Que Dieu libère sa grâce. Toi qui as les mains levées. Toi qui fais partie de la jeunesse. Un jeune. Toi qui veux bouleverser cette génération. C'est à toi que je m'adresse. Toi qui veux que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Je te dis, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas mis dans les oubliettes. Dieu n'est pas le Dieu des autres. Non, il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Père. Il est ton Père. Reçois l'amour du Père. Je vais demander aux responsables, Mathéo, avec quelques référents de la jeunesse, quelques les leaders, ou tout ce que vous, où que vous soyez, tous les leaders à l'église, venez, commencez à entrer dans la foule, priez pour les gens. Levez vos mains seulement. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Moi, je ne veux pas imposer les mains. Je veux juste déclarer. Allez-y, s'il vous plaît. Aigle, Sylvain, Zorobabel, Dominique, allez-y, allez-y, Michel, allez-y, Marc, allez-y, Claude, allez-y. Élevez vos mains, élevez vos mains, commencez à prier. La main de Dieu est là, la main de Dieu est là. Dieu veut impacter une jeunesse de feu. Partout où il y avait des blessures, ce soir il y a la guérison. Je vois la main de Dieu venir opérer une guérison avec cicatrices. Il est en train maintenant de cicatriser. L'onction du Saint-Esprit est relâchée maintenant. Oh! Recevez! Fire, la grâce prophétique. Il y a des prophètes et des prophétesses. Que la grâce prophétique vous saisisse maintenant. Oh Dieu, les évangélistes, que la grâce de Dieu vous saisisse maintenant. Les intercesseurs, les intercesseuses, que la grâce de Dieu vous saisisse maintenant. Recevez, recevez, recevez les dons, l'impactation au nom de Jésus. Power et carabosse. L'ombrasé que te kerima si kere bosso. L'ombrasika. Frère André, priez pour les personnes. Oh, 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 Jonathan, priez pour les personnes. La grâce de Dieu est en train de se libérer. Oh, 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 oh. Là où tu es seulement, il te localise. Sa grâce te localise. Jeune, Dieu t'appelle. Jeune homme, jeune fille, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'appelle à la sainteté. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fire abo, chandaria. Béni, monte avec moi, monte avec moi. Que la grâce de Dieu est en train de se répandre dans toute la salle. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Dieu est en train de relâcher des grâces. Il est en train de relâcher des dons. Toi qui as des dons de Dieu, prends la grâce de Dieu. Prends la grâce de Dieu. Il y a trois personnes qui ont demandé à Dieu le don de parler en langue. Que Dieu te l'accorde maintenant. Que Dieu te l'accorde maintenant. Voici la main de Dieu. Elle arrive sur toi. Oh jeune, 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 jeune. C'est ton heure. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure de l'Esprit. C'est l'heure de l'Esprit. Recevez la grâce de Dieu. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Anarina Roche, Kerevo, Soroboko. Anarina Roche, Kerevo, Korina, Bro. Ikayama, Mazi, Kerevo, Soroboko, Seke. Il est en train de te libérer de cet esprit qui te fatigue. Il y a un démon qui est en train de te fatiguer. Cet esprit te lâche. Cet esprit te lâche. Esprit de mort, va-t'en. Sirène des eaux, sors.
Sors d'elle. Oh. Tu sens une envie de vomir. N'hésite pas à vomir. Tu es en train de te libérer. L'esprit des serpents est en train de lâcher. Voici la grâce de Dieu. Voici. We praise you, Lord. Une jeunesse de feu. Prenez la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Shirley, Dieu t'aime. Tu es ma fille, je t'aime. Tu vas faire des exploits. Consacre-toi. Aide-la, consacre-toi, la grâce de Dieu sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, aide-la. Voici l'Esprit de Dieu. Marie-Élie, viens. Dieu compte sur toi. Oh. Naomi, viens, je sais que je prie pour toi. Une grâce exceptionnelle sur toi. Lève tes mains. Fire, au nom de Jésus. Oh Dieu, une nouvelle dimension. Dieu t'attend encore plus loin. Dieu veut te préparer. Dieu veut t'équiper. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut faire avec toi. Aucune idée. Prépare-toi. L'Esprit est sur toi. Aide-la. Ariane. Lève tes mains. Je vois une grâce qui vient sur toi. Il y a comme un manteau pour rien déposer sur toi. Tu es une femme de prière. Également une femme qui a prêché la parole de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est là. Use-toi de la tête au bien. Voilà. Oh, Satan. Les bro baba. Que Dieu vous saisisse. Donia, viens. Je prie pour toi. Viens, Naomi. Lève tes mains. Dieu t'appelle. Tu n'as pas encore fait ce pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il y a un travail. Il te dit, regarde. Tu es parmi les filles. Je dis, lève tes yeux, regarde la moisson. Je me dis, ma fille, est-ce que tu vois cette moisson? Oh, la grâce de Dieu, elle vient sur toi. L'onction de Dieu, de la tête aux pieds. Tu es appelé à prophétiser. Tu es une prophétesse de Dieu. Aide-la. Oh, Satan. Fire. Reçois les patations de Dieu. Dieu te donne la sagesse pour conseiller. L'onction sur toi, la guérison sur ses mains, le feu, au nom de Jésus. Et Kaya Baba, viens, approche-la. Elle est saisie, aide-la, elle va servir puissamment. L'onction sur toi, aide-la, oh, chez Kaya Baba. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de toi, esprit de sainteté. Je t'aime beaucoup. Amen là. Viens. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Car le temps de Dieu, l'œuvre de Dieu a sonné pour toi. Dieu va passer par toi pour toucher, amener l'évangile dans les membres de ta famille. Dieu a essuyé ton âme. Dieu, au travers de toi, va amener la solution à beaucoup de problèmes auxquels tu peux faire face, notamment dans la famille. Les problèmes de maladie, les tensions. Dieu veut amener la restauration. La grâce de Dieu sur toi. Jeune fille, la grâce de Dieu sur toi. Aide-la. L'onction de Dieu. Oh, Billy, viens. Viens ici, viens.
Shada. C'est une jeune que Dieu veut utiliser. Je te dis que personne ne te méprise. Il y a du potentiel à toi. Dieu veut te recalibrer, te redimensionner, à te préparer pour des grandes choses. Voici la grâce de Dieu. Elle vient, elle arrive sur toi. Au nom de Jésus, à la grâce. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Je vois Dieu dire, tu es en train de retarder le processus pour moi. Il a déposé la guérison sur ses mains. Le feu en toi. Un tel feu, ça bouillonne parfois, mais parce que tu ne supportes pas, ça meurt, Dieu te dit, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi te retiens-tu, pourquoi te retiens-tu, pourquoi te retiens-tu, il y a attention derrière, il a un feu sur lui, la grâce de Dieu, fire, oh Jésus, oh Jésus. Lève tes mains. Là tu élèves sa droite. Merci Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Dieu a posé son regard sur quelqu'un et qu'il a un programme avec la personne, il y a également le monde des ténèbres qui se prépare pour vouloir combattre le projet de Dieu dans la vie de la personne. Voilà pourquoi vous sentez de luttes, beaucoup de luttes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats à l'intérieur de vous. C'est l'adversité. Mais tu dois dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici, envoie-moi. Même si on ne t'a pas touché, la grâce de Dieu te localise. Que tu sois devant, que tu sois derrière, à gauche, à droite, alors que ta main est levée, la puissance de Dieu est en train de te localiser. Dieu a un projet avec toi. N'avorte pas ce projet. Ne laisse pas ce projet être avorté à cause des choses de vanité, des choses de néant. Dieu compte sur toi. Andrew, Dieu compte sur toi. Amenez-moi Andrew, amenez-moi Andrew. Il y a un manteau sur lui, il y a une onction sur lui. Amène-le, 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 amène-le. C'est merveilleux. Ce que je vois en esprit, c'est merveilleux. Dieu veut te revêtir d'un vêtement et l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut faire de toi un messager pour la France. Et il veut au travers de toi emmener plusieurs. Voilà pourquoi il a mis en toi comme une soif que devant tu n'arrives pas à comprendre, à maîtriser, à contrôler. C'est plus fort que toi. Mais laisse-moi te dire, ça c'est encore plus fort. Ça va bouillonner, ça va bouillonner. Et comme un feu à l'intérieur, tu ne peux pas le contenir. Le feu de Dieu, un fardeau qui a placé en toi. La grâce de Dieu a eu sur toi. Seigneur, bénis cette jeunesse. Lève tes mains. Bénis cette jeunesse, ces hommes, ces femmes. Change nos imperfections en perfection. Nos faiblesses en force. L'amertume en joie. Qu'après ces instants, plus rien de l'ennemi ne reste ancré dans les vies. Je déracine avec l'autorité apostolique toute herbe, toute plante qui n'a pas, que le Père n'a pas plantée dans les vies et dans les cœurs, maintenant au nom de Jésus. Que toute mauvaise sémence, sémence d'orgueil, de rébellion, toute mauvaise sémence du diable, mensonge, impudicité, mauvais vent, je purifie cela, je purifie l'atmosphère au nom de Jésus. Et je déclare, vous êtes plus que vainqueurs, plus que victorieux, au nom de Jésus. Allez de l'avant et que Dieu vous bénisse. Faites des exploits, gagnez des âmes pour le royaume, gagnez des âmes pour le royaume. Dieu nous attend. Allons de l'avant, semons pour l'avancement du royaume. Quand Dieu te tenait à cœur de porter, de semer, fais-le, ne regarde pas ta jeunesse. Et que Dieu vous donne un héritage éternel que personne ne pourra voler, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alors que nous sommes en train de finir, je rappelle seulement que ce mardi, nous avons le Bishop Tchalo avec nous à 19h. J'invite tous les jeunes, tout le monde, si dans la mesure du possible, soyons là à ce programme. Amen. Voulons lui réserver un meilleur accueil. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur et à mardi. Merci.